Starsky, tu démarres ou quoi? Allez, enfonce. Starsky! Pour l'amour de... Bloque-les, Starsky. À la chambre de paix. Viens, un type avec un train, tout le temps. Tiens-toi, ça va se couper. Sur les quais, Kyle mettait au point l'étape suivante de son plan. Il a besoin d'une tire d'enfer pour son petit plan. Et il veut la plus rapide sur le marché. Trouvez-moi des bagnoles très rapides, et plus vite que ça. Hey Hutch, tu viens voir le match? Ouais, une seconde. Mais c'est la bagnole, ça! Qu'est-ce que... Viens, on prend la mienne! On dirait que les mecs de Kyle ont jeté leur dévolu sur la meilleure bagnole de Bay City. Elle n'allait pas se laisser arrêter par Zebra 3. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voiture Volée. On a volé la voiture de Starsky. C'est quand même très grave, quand même. On a volé ma voiture, quand même. Donc, vous voulez voir que j'avais ma voiture. Donc il n'est pas le droit de foncer dans la voiture. Donc il va se débrouiller avec son arme. Qui n'a pas le droit de foncer une voiture. C'est moi qui suis obligé. Et qui est avec les pas de... Allez, Starsky, concentre-toi. À toutes les unités, quand vous allez chez le père. Approche-toi. Oui. Allez, je suis un débutant là. La voiture. Option. Tu regardes la route ou tu penses à autre chose? On sent un peu triste. À toutes les unités. On est arrivé, on est arrivé. T'as pas de lampe? Allez Starsky, concentre-toi. Contrôle appel capitaine.
Hutch, je suis impressionné. Au virage. Après avoir pris en otage la copine de Hutch, on prend le dog, la voiture de sortie. On dirait un débutant là. Allez Starsky, concentre-toi. Voilà qui est mieux. Il y a deux fois pour le truc. Voilà, tu regardes la route ou tu penses à autre chose? Accroche-toi, Hutch! Peut-être aussi un bonus. Une petite balade. Wouhou! On va les perdre! Fais gaffe au pied, ton Starsky! Oh non! Ma peinture! Tu fais peur au voisinage, Hutch. Hé, un nouveau jouet. Et sans la toucher avec la voiture. Starsky et Hutch ont rattrapé le chauffard, mais il n'a pas l'intention de se mettre à table. Pourquoi t'as piqué ma bagnole, minable ? Hutch a arrêté le suspect pendant que Starsky examinait de près les dégâts de Zebra 3. C'est alors que Hutch a trouvé un indice dans la poche du type. Hé hey Starsky, regarde ça. C'est une carte de la ville avec un itinéraire. Alors c'est pour ça que tu piquais les bagnoles, hein ? Le malfrat n'allait rien avouer à propos de la carte. Hutch a donc décidé de les coffrer tous les deux pour un petit brin de causette au commissariat. Voilà, c'était l'épisode de 14-15. Du coup, comment on s'est débrouillé aujourd'hui, ça va ? Comment on s'est débrouillé aujourd'hui ? Bien, sans moi. Ça va, je trouve bien. On a arrêté. Bah oui. Assez vite, quand même, je trouve. Ouais. On aurait pu faire mieux, c'est sûr. Tout à voir, et puis. Bien, on se retrouve dans le prochain, il n'y a pas de cliquer sur les liens qui sont affichés. Et voilà. Rendez-vous à l'épisode 16. C'était Voiture Volée. À la prochaine.